Dieu a parlé à mon cœur, une lumière s'est allumée à l'intérieur de moi par le Saint-Esprit et Dieu m'a montré justement la force justement que nous avons en tant que croyants, mais surtout la subtilité des manœuvres des forces ennemies. Nous vivons dans un monde qui est gouverné par deux autres mondes et personne n'est neutre dans cette histoire. Soit on est du royaume de Dieu, soit on est du royaume des ténèbres. Ça peut offusquer certains d'entre vous, mais si vous n'avez pas accepté Jésus dans votre vie comme étant votre Seigneur et votre Sauveur personnel, alors vous êtes encore sous l'autorité de Satan et Satan peut faire de votre vie ce qu'il veut. Il peut décider de vous prendre au petit déjeuner dès demain matin. Et donc je suis là justement pour vous dire, il y a une porte d'accès au royaume des cieux, il y a une porte de sortie. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur comme au jour de la révolte. Et si tu veux donner ta vie à Jésus et être protégé de toutes les instructions du mal, je vais justement te demander de lever ta main maintenant et répéter après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, oui, aidez-les à répéter. J'ai entendu ta parole. Et mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Et je m'engage aujourd'hui à te donner ma vie. Je renonce à toute forme d'alliance avec Satan. Satan, je divorce de toi et de tes démons qui sont des agents exécuteurs de ta volonté. J'ouvre mon cœur à Jésus-Christ. Je le reçois comme étant le Seigneur de ma vie et de ma destinée. Je veux connaître une vie heureuse. Je veux vivre le bonheur sur terre. Je veux vivre la prospérité que Dieu me réserve. Je veux voir mon nom écrit dans le livre de vie. Je veux connaître la vie de félicité. La vie heureuse pour l'éternité avec Dieu. C'est pourquoi je déclare par la foi qu'à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Je n'appartiens plus au règne des ténèbres. Je suis affranchi. Les malédictions ancestrales héréditaires n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Car Jésus m'a affranchi. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Je parle donc sur ta vie maintenant. Au nom suprême de Jésus, je commande à la puissance de Dieu de briser toute chaîne de captivité. Au nom suprême de Jésus, quel que soit le pays où tu es, que tu sois en Martinique, que tu sois au Canada, que tu sois en Suède, à Haïti, que tu sois en Guadeloupe, que tu sois au Congo, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Tchad, en République centrafricaine, je parle sur ta vie. Je commande au nom suprême de Jésus que les chaînes soient brisées et que la liberté soit ta portion. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Tu traverses des situations difficiles. Le diable t'oppresse. Le mal est en train de s'accroître dans ta vie. J'appelle la paix de Dieu au nom suprême de Jésus. Et que maintenant le sang de Jésus te recouvre. Et que tu sois arraché des griffes de Satan. Au nom suprême de Jésus. Je parle sur ta vie investie du pouvoir divin. Et je déclare dans le nom de Jésus que maintenant même, tout ce qui était stoppé par l'enfer se remet en marche au nom suprême de Jésus. Je commande que ce que Satan avait volé te soit restauré. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Que ce mal que tu as dans ton corps, qui vient des démons, soit totalement guéri au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. La prospérité dans tes affaires, la prospérité dans le ministère, que la domination qui se lève contre la prospérité de ton église soit renversée au nom suprême de Jésus. Et que la gloire de Dieu soit dans ta vie. Qu'il en soit ainsi. Rayonne et brille, rayonne et brille, rayonne et brille, rayonne et brille au nom suprême de Jésus. Je déclare que la saison des pleurs s'est terminée. Dieu t'introduit dans le cycle irrévocable de la joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Que la joie de l'Éternel soit ton partage. Et que cela soit ta force au nom suprême de Jésus. Amen. Tu es béni. J'envoie cette parole sur ta vie au nom suprême de Jésus. Amen. Et contre toutes les forces du mal qui ont parlé sur ta destinée. On ne peut pas être béni et maudit en même temps. En te bénissant cet après-midi au nom suprême de Jésus, je déclare que la malédiction est totalement brisée. Amen. Et le pouvoir de Satan est ébranlé par cette puissance au nom suprême de Jésus. Que les anges de Dieu soient envoyés à ton service pour te secourir à ta rescousse maintenant pour te garder. Je déclare cette nouvelle saison au nom suprême de Jésus. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. À la prochaine, vous serez informés de le prochain numéro. Nous allons continuer d'évoluer sur des thèmes qui vont apporter à chacun d'entre nous un embellis certain. Il est temps pour chacun d'entre nous de ne plus se limiter simplement au fait de lire la Bible, mais de commencer à la vivre. Dieu nous a donné à chacun d'entre nous le pouvoir d'être acteur, démonstrateur justement de sa gloire sur la terre. C'est pour ça que nous sommes des témoins de Dieu dans cette génération perdue. Sois heureux et très heureuse d'être enfant de Dieu. C'est ton privilège en cette saison. Tu ne peux pas imaginer, ton salut n'a pas de prix. Tu as été racheté à grand prix. Alors donc,
ne te mets plus, jamais plus sur l'esclavage de qui que ce soit, de quoi que ce soit, parce que la liberté est vraiment ta portion. Je t'aime profondément de l'amour du Seigneur, un amour saint et pur. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Raoul Wafo pour te servir. Que Dieu te bénisse.